Poor governance has often been pointed out as one of the reasons why the extractive sector does not fully contribute to the sustainable development in some African countries rich in minerals. It is within this framework that the 12th session of Francophone African Summer School, an international conference focusing on energy transition, was organized under the theme Governance on Extractive Industries in Francophone Africa. Je suis ici au Cameroun pour participer à la 12e session de formation qui porte sur la gouvernance des industries extractives. Et donc, en gros, cette formation m'a permis d'avoir un aperçu sur les différentes thématiques déjà que nous menons au sein de notre organisation. Et aussi, elle me permet également de voir dans quelle mesure apporter de nouvelles actions à mener, notamment sur la thématique qui porte sur le suivi des investissements publics, qui est une thématique très importante déjà que nous menons au sein de notre ONG. Nous avions entamé déjà les cours préparatoires, notamment pour participer à ces sessions en présentiel. Et je pense que j'ai appris beaucoup de choses, notamment sur cette question qui est primordiale, sur la transition énergétique. Qu'est-ce que les États africains doivent faire? Quelles sont les stratégies politiques que les États doivent adopter pour notamment faire face à cette préoccupation mondiale? The training that took place in the Catholic University in Yaoundé has enabled the participants from different countries to bury the pre-notions they had regarding the energy sector. Il y a beaucoup de choses que je prenais comme des évidences que je connaissais déjà, mais grâce à cette formation et les approfondissements que nous avons eus à travers les différents modules de formation qu'on a suivis, il y a beaucoup de choses qui ont été éclairées par rapport à aux compréhensions que j'en avais. Je veux prendre en témoin tout ce qu'on nous a appris sur en tout cas, la décision surtout d'extraire, ça vraiment, ça m'a beaucoup marqué. Mais au-delà de cela, en tout cas les derniers jours comme nous y sommes aujourd'hui, c'est la question relative à la transition énergétique. There is no gainsaying that the participants will not leave the training session empty, as they will have a lot to share with their community back home. À travers cette formation qu'on pourrait faire en termes de sensibilisation, en termes de renforcement de capacité pour préparer ces communautés-là, parce que forcément, on ne peut pas s'en passer. Donc forcément, elles vont vivre tout ce qui aura en tout cas de positif ou éventuellement de négatif par rapport à ces minéraux-là. Donc il est bon qu'on les sensibilise. Il est bon également qu'on essaye de voir avec eux quelles sont les actions en tout cas de plaidoyer que nous pourrons faire auprès de nos autorités pour que les qu'elles ont suivi, que ces populations ont suivi par rapport aux autres minéraux, qu'elles ne puissent pas subir cela. Après ces sessions de formation, au retour au pays, notamment, comme je l'ai dit, en République de Guinée, ce que je vais faire de principal, c'est tout d'abord m'orienter sur une question spécifique que j'ai déjà ciblée, notamment sur les contrats, mais aussi sur cette question qui me tient à cœur. Est-ce que nos États sont prêts vraiment à aller vers cette question de la transition énergétique? The training session that was spiced by an international conference gave the participants a more insight on governance. To Professor Yvonne Christiane Elenga, the Dean of the Faculty of Social Science and Management of the Catholic University of Central African Coron, and also the supervisor of SEGAF, such conference is needed to remind the people of what they need. La conférence qui vient de se tenir ici sur la transition énergétique et les opportunités, défis à la mobilisation des ressources se place dans le contexte de l'organisation de l'université d'été du centre d'excellence pour la gouvernance des industries extractives en Afrique francophone. Il y a deux modules qui entrent dans cette fonctionnalité. La première, ce sont des sessions classiques où nous invitons des experts en question d'industrie extractive
et qui donnent leurs conférences et leurs enseignements. Et puis nous organisons encore dans le même parcours un panel avec des spécialistes sur les questions des industries extractives et sur des sujets d'actualité. Alors cette année, nous avons choisi particulièrement la question de la transition énergétique. Et cela nous paraissait tout à fait opportun dans la mesure où c'est une question d'actualité et qui engage l'avenir de l'humanité sur la question de développement basée en particulier sur les industries extractives. This session of Francophone African Summer School brought together over 20 participants from 9 African countries. While leaving the place with thirst and hunger for more knowledge, the participants are looking forward for the next training session.